Over the past few weeks, these three Frenchmen and their tiny Renault car have seen and crossed more of Australia than many of us will manage in a lifetime. Crisscrossing our continent to make a movie about life down under. I found this car 2 years ago, and it came in France in Paris Motor Show. And I found it really different and funny and cute and something of a kid, you know. And I say, okay, well, it's very small, Australia is very big, and let's try to mix it. You're back in Sydney. Now, why have you decided to paint the car? That was an idea I had long ago when I started the project in France. And I say, well, I go to Australia, but I want the car to remember Australia forever. J'ai dit non, je veux des dollars car on m'appelle Solar. Il m'a fait bouge de là. Jean? Yes. Dulon. Jean Dulon. Yeah. Is this a coincidence that this paint? Yeah, it's a coincidence. Totally. Because in fact, my name is not very popular in France. Elle a un petit chien qu'elle appelle Alexandre. Elle me dit. Lorenzi, est-ce que tu peux descendre? J'ai pris mon magnum. La voilà. The Renault Twingo is going back to Paris with a Ballerini design. The brainchild of husband wife. Je vais te présenter quelqu'un qui est parti avec une des plus petites voitures du monde, qui est une Twingo. Il a fait le tour de l'Australie quand il a su que Sydney serait la prochaine ville pour les Jeux Olympiques. Il a fait un périple incroyable. Il vient de rentrer d'Australie. Il a fait vraiment un périple insensé avec une toute petite voiture dont on est très fier. Il est là, je crois. On l'a filmé, il est arrivé il y a quelques heures, je voudrais qu'on voit des images. On l'a suivi place de la Concorde. Ensuite, il va nous rejoindre sur le plateau. Il s'appelle Monsieur Jean Dulon. Oh. Voilà, il est journaliste, il était à Globe. Il a décidé de faire mieux connaître ce pays, l'Australie. Il est parti pendant 3 mois. Et il arrive. Voilà. Il est arrivé 24 000 km dans cette petite voiture. 24 000 km avec cette petite auto quand même qui est récente. Ouais. Alors, il arrive, voilà, devant le studio Gabriel. On va l'applaudir. Il va débarquer sur le plateau. Monsieur Jean Dulon. Jean Dulon, et voilà. Première question. Le tour de l'Australie, c'est gigantesque, 24 000 km. L'idée de partir avec une toute petite voiture dont le monde entier parle, c'était quand même risqué. Pas eu de pépins? Non, pas eu de pépins. Surtout, en plus, je ne suis pas mécanicien du tout, donc je suis parti vraiment avec, en me disant qu'il fallait que la voiture tienne. On doit avoir des images qu'on va voir là. J'ai de la chance et puis bon, alors, ça s'est bien passé. La tête des aborigènes, la tête des Australiens, lorsqu'ils vous ont vu comme ça, avec cette petite coque de noix, car c'est une coque de noix. Ouais, non, une coque de noix qui tient la route. Je sais bien, oui. Really, really good. I can't believe that you've actually got here in this little car. No, really? It's wonderful. It's unbelievable. Its tyres are good, the body's good, and you had no trouble at all? No, not That's at all. That's really, really excellent. You should be congratulated for getting this little car here, because we never have had little cars like here before. Did you bring this out? Right.
Now I am a whale, listening to some inner call.